Hello les gens, c'est Léozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode donc du Skyblock sur Yazacraft. Voilà, l'IP c'est play.yazacraft.fr, elle sera aussi en description juste pour vous rappeler si vous voulez venir jouer. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que je vous retrouve tout de suite en vidéo et puis je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve donc sur notre île, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Pour vous remémorer un petit peu tout ça, nous avions entamé la construction donc, de cette magnifique salle au coffre. Et je pense que ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est surtout un petit peu, comment dire, déjà aménager tout ça là, parce que c'est un petit peu vide. Faire le bas ici, et puis aussi peut-être, probablement même, se rajouter des coffres, faire un arrière et tout, et puis placer peut-être un petit peu de quoi faire un plus beau toit ici, voilà. Donc quelques petites modifications mineures, mais quand même qui sont à faire, histoire d'avoir une belle maison ensuite avec un beau souterrain. Je viens de remarquer à l'instant du coup que quelques arbres ont poussé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite les couper, et puis je pense qu'on va s'en servir tout simplement, comment dire, en guise de bois pour faire les coffres, puisque comme vous le savez, et comme je l'ai dit il y a quelques secondes, nous avons besoin de nous faire plus de coffres, ce que nous allons donc tout simplement faire. Le bois, par contre, si tu voulais bien redescendre, ce serait sympathique de ta part. Merci, voilà, super. Hop, on redescend tranquillement. Ah, j'ai plus de hache. Je pense que je vais faire une petite session aussi minage un peu de cobblestone, donc ça je vous ferai un accéléré parce que c'est peut-être pas ce que vous préférez voir dans mes vidéos, je pense. Donc je verrai comment j'organise tout ça, mais d'abord déjà on va se servir de ça pour rajouter des coffres, histoire d'avoir une salle des coffres bien bien complète, parce que bon c'est quand même ce qu'on a envie d'avoir. On va tout de suite donc se diriger ici, hop là bonjour, on descend et nous allons y placer tout ça, hop là et hop là. Ok, ça commence à avoir un peu de gueule, donc on va avoir... Attendez, je vais faire un petit calcul, comme ça on voit combien de coffres on aura au total. Donc 3, ça nous fait 9 ici, 9 plus 6, plus 9 encore, ce qui nous fait 15 plus 9 est égal à 24 coffres. C'est franchement sympa. Il y aura moyen quand même de pas mal stocker, en plus on en aura besoin quand même. C'est bon, 24, enfin non, même pas 24 coffres parce qu'il y a des doubles coffres aussi que j'ai pas compté aussi, ouais. Ça nous fera plus, ouais, ça nous fera beaucoup de coffres quoi, ça nous fait une quarantaine de coffres environ je pense. Donc ça c'est bien. Ah, on a des carottes qui poussent. Faudra faire un plus grand champ par contre parce que là c'est un peu petit. Donc on verra comment on s'organise là-dessus. Et j'ai remarqué aussi au dernier épisode en fait que j'avais dit que j'avais eu plus de ça, mais au giveaway il m'en restait 32 du coup grâce au machin, donc du coup on va en profiter tout simplement et on va peut-être se faire la première comment dire, la première machine au final de tout notre skyblock, qui sera donc une machine automatique à cactus. Voilà, ça pourra donner quelque chose de sympa. En plus on a du fer, donc il y a moyen de se faire un entonnoir. Donc je pense qu'on va faire ça et puis du coup moi je vous fais un petit timelapse de tout ça.
Et re les gens, donc voilà, je viens de finir enfin, donc après ce petit timelapse, voilà, bon en réalité c'était quand même bien plus long que ce que, enfin, que ce que donnait le timelapse hein, quand même, parce que, bon, le timelapse vous vous en doutez bien, c'est quand même pas mal accéléré, mais bref, du coup j'ai fini ma petite usine à cactus, donc ça m'étonnerait que ça ait déjà drop, voilà, mais pour vous expliquer un peu le principe, alors comment je vais monter ici, bonne question, on va placer ça, tac. Hop là. On va se faire un jump. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu le principe, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le cactus va pousser, et bah comme vous le savez probablement, un cactus, en fait, il doit pousser sans bloc à côté. Enfin, quand il n'y a pas de bloc à côté. Et en gros, là, quand il va pousser, bah, ça va taper contre ce bloc. Et du coup, bah, le truc va se casser. Puis ça va tomber dans l'eau. Et puis ça va descendre juste ici. Il y aura un petit entonnoir pour venir le récupérer. Et ça va être à moi ensuite. Donc dans le coffre évidemment qui sera redirigé par l'entonnoir quoi. Je veux dire celui-là, là vous avez l'entonnoir et ensuite vous avez l'eau qui conduit les items par exemple. Ouais, bon, j'ai la flemme de vous remontrer mais en gros si je balance un item par exemple dans l'eau, on va le retrouver dans le coffre quoi. C'est le principe de la chose. Donc du coup je vous propose que maintenant qu'on a notre petite usine bien sympathique, on va s'avancer du coup sur les coffres. Donc ouais, il va me falloir faire plus de coffres, miner un peu de cobble peut-être aussi. Je pense, ouais. Ouais, je vais avoir besoin de cobble pour ça. Donc du coup, on va se faire un petit peu tout ça dans cet épisode. Je vais me refaire une hache. Ouais, exactement. Voilà. Et puis je vais prendre le bois du coup, qui va me permettre de faire mes coffres. Voilà, tout simplement. Hop, donc celui-là d'arbre, c'est fait. On replantera après, mais d'abord je coupe déjà. Ça me paraît être un bon début. Hop. Je vais essayer aussi d'avoir un peu de coins, histoire que je puisse, genre, comment dire, aller bah, m'acheter des pousses et tout ça. Parce que ça pourrait grandement me servir d'avoir des pousses d'une autre variété. Mais j'avais vu aussi qu'il y avait un challenge dans le slash C, du coup. Qui était. C'était celui-ci. Voilà, celui-ci. Où il nous fallait donc 32. Comment dire. Je sais plus comment ça s'appelle. Les teintes de couleur de cactus, la verte. Et en gros, on va gagner donc 2 pousses bah, de tous les arbres en fait. Enfin, presque tous les arbres. Jungle. Comment il s'appelle? Bois, bouleau. Enfin, et tout ça. Voilà. Vous voyez à peu près le truc. Et du coup, ça, ce sera bien parce que ça va nous permettre de bien nous stuff. Toujours rien qui se drop. Bon, je pense que ça risque de prendre pas mal de temps. Donc ouais, faut voir ce que ça donne à l'avenir. En attendant, j'ai aussi coupé le melon. J'aurais pu le prendre à la hache, mais bon, c'est pas grave, c'est trop tard. On va le transformer en graines parce que j'avais vu qu'il y avait un achievement aussi. Enfin, un challenge plutôt. Avec les graines qui étaient celui-là, voilà. Donc il nous faudra 64 graines bah, de blé. 64 graines de melon et 64 graines de citrouille et ça rapportera un peu de coins et tout ça. Donc faudra que je fasse ça, ça pourra être sympa. Je vais replanter du coup comme j'avais dit aussi. Hop, voilà. Est-ce qu'il reste des trucs? Non, c'est bon. Est-ce que on peut pas faire des géants arbres de ça, je crois. Je crois qu'on peut. Attendez, on va tester ça. On va en placer un là. Et on verra bien ce que ça nous donnera. Voilà. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des arbres géants avec ça. Donc ça pourrait être plutôt pas mal comme truc, comme idée à exploiter. Donc ça peut être sympa quoi. Faut voir ce que ça peut donner. Hop. On mange un peu de pommes. Oula. Oups. Voilà, du coup, je vais me crafter des coffres, tout simplement. Hop, on va s'en faire encore 12. Alors, est-ce que ça va suffire 12? Je ne sais pas. Canne à sucre, pourquoi j'en ramasse? Est-ce qu'il n'y avait pas un challenge? Ah, ça peut être intéressant. Faut faire 21 pages de papier. Ok, donc là, on a moyen de s'en faire presque 3 de pages de papier. Ok, et pour 21 pages de papier, on peut déjà se mettre très très bien. Niveau des coins, c'est tout. Ah, ça c'est intéressant. C'est bon à savoir ça.
Hop. C'est très très intéressant ça. Ça pourra s'exploiter de bonne façon, je pense. Donc ouais, je retiens un petit peu ça. Ça pourrait être intéressant. Je vais miner un petit peu de cobblestone, donc je vous fais une petite ellipse. Voilà. Et re les gens, voilà, bon j'ai pris un petit peu de trucs en plus, donc j'en ai 32, je pense qu'il y a moyen de se faire. Je vais pas faire tout en dalles, mais je vais en faire quelques-unes de dalles quand même, voilà, 30 dalles, ce sera déjà bien. Que je vais aller placer là-bas, ah il pleut, tiens, j'avais même pas remarqué, mais ouais, une petite pluie qui s'abat sur nous, bon c'est pas grave. On va déjà placer ça ici. Comment je vais faire là? Ça risque d'être complexe. Comment je vais faire? Bon, je vais casser deux coffres. Et puis on va placer ça comme ça. Voilà. Hop. Ok. Je vais pas avoir assez de. Ah mince. Re les gens, voilà. Bon, bah, comme vous l'avez vu, je suis. Bien tombé assez bêtement, voilà, bon je me suis déjà recrafté un seau et tout, j'avais pas grand chose dans le fond je pense, donc tout n'est pas trop perdu je pense, ça devrait aller, j'avais juste vite fait un tout petit peu de bois peut-être, mais pas vraiment beaucoup, enfin je veux dire on n'a pas perdu des trucs de gros malades que j'ai regretté tout le monde, je me suis déjà recrafté un seau que je vais d'ailleurs laisser là, j'ai une hache ici. Voilà. Que faire d'autre? Bah, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Donc ouais, je devais avoir 2-3 pouces, quelque chose dans le genre, quoi. Mais pas. Ça va. Je pense que j'ai pas perdu trop de stuff. Ouais. c'est assez bête, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Est-ce que la machine à cactus d'ailleurs aurait-elle fait un petit drop? Non, toujours pas. Bon, bah on va attendre toujours que ça donne quelque chose. Si ça donne quelque chose un jour. Je sais pas, faudra voir. Bah ouais, je pense que je vais attendre un peu d'avoir du bois, parce que je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. J'ai besoin surtout du bois. Je vais aller casser un petit peu en bas. Alors là, faut que je fasse extrêmement attention. Hop. Et ici, je vais venir casser aussi. Voilà. Hop, histoire d'avoir un peu plus déjà de bûches. Voilà, comme ça, on peut tout placer déjà, ça c'est nickel. Donc on avance déjà pas mal sur notre salle au coffre. Il nous faudra encore deux machins. Il faudra faire tout l'arrière. Donc ça risque de nous bouffer assez beaucoup de stone. Ah, il y a un arbre qui a repoussé, yes. Ouais, je disais, ça risque de nous faire pas mal de dépenses en termes de stone. Et ça va être assez dur à compenser. Enfin, à compenser, ça va surtout être dur de miner, quoi. Ça va être assez long. Il va me falloir plusieurs stacks, je pense, hein, de cobblestone. Ah, les carottes. Et le blé qui donne toujours pas beaucoup de trucs, ça c'est pas cool. Il faudrait vraiment que je puisse améliorer la production de ça. Ouais, je viens de réfléchir d'ailleurs, et je sais ce que j'ai perdu d'important, c'est les pommes, qui me permettaient de m'alimenter. Ça c'est pas cool. comment je vais faire là-dessus? Ça risque d'être assez complexe. Ça va être assez serré, je vous mens pas, pour compenser cette perte qui est tout de même assez importante, là on peut se le dire. Donc bon, je sais pas trop comment je vais faire à ce plan là, on verra bien, je pense que je trouverai un moyen de me démerder, soit aller acheter de la nourriture au spawn, mais vu que là j'ai pas de diazac coin, ça va être assez complexe, soit peut-être aller voter au pire.
Ouais, sinon on peut se servir des clés de vote pour compenser là-dessus. En gros, je vous explique un peu mon idée algorithmique, on va dire ça comme ça. Aller faire des clés de vote du coup en votant pour le serveur. Et puis après, du coup, aller faire les votes. Si on obtient des items rares qui sont éligibles à la vente, on les vend, on se fait de l'argent, on achète de la nourriture et on est bien. Alors je pense qu'on va se faire ça. Je pense qu'on va se faire ça. De toute façon, j'ai pas 30 000 options là. Donc ouais, je pense que je vais tester de faire ça. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait les votes. Voilà, tout simplement. Ok, juste avant de faire les votes, je viens de faire la pire gaffe du monde. Je viens de casser ça. Super. Donc du coup, il faut le replanter. Heureusement qu'il y avait une citrouille, mais bon. Attends. Tiens, je vais essayer de casser aussi. Hop. On fait des citrouilles. Voilà. Nickel. Bon, du coup, ouais, je vais voter. Et re les gens, voilà, donc j'ai fait mon petit vote et je viens de m'apercevoir que le grand arbre vient de pousser. Mais bref, j'ai fait le petit vote, donc j'ai obtenu la clé, voilà. Donc c'est bien, on va aller au slash warp clé. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, exactement. Hop, et du coup nous allons tout simplement ouvrir ça et voir si on a quelque chose qui nous permettrait de pas mal nous aider, je pense. Donc attention, êtes-vous prêts? Boum, ok. Bon, on a gagné un seau de lave, c'est pas fou, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est les risques de la chose, on va dire ça comme ça. Donc ouais, écoutez, tant pis, est-ce qu'on peut vendre le seau de lave? Ça m'étonnerait tout de même. Seau de lave, seau de lave. Non, ils sont pas intéressés, hein, c'est ce que je pensais. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on peut vendre les melons et surtout les citrouilles. Ça pourrait être un truc intéressant. Les cactus également qu'on peut vendre. Il y a pas mal de trucs intéressants. La Nether Wart qu'on peut vendre. Sauf que là, il nous faudra de l'obsidienne. Obsidienne qui coûte quand même 60 pièces. Ce qui risque d'être assez complexe à faire. Donc, on va voir. On verra ce que ça peut donner. Mais je pense que ouais, il y aura moyen de faire un petit commerce. Je ne sais comment, mais à la limite, acheter des pousses, genre de ça. Pour pouvoir donc faire tout un commerce donc de bois comme ça. Ça pourrait être intéressant. Donc là, je vais faire slash IS, voilà, pour retourner à mon île, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire sur mon IS? Alors, je vais couper mes arbres qui ont poussé déjà. Ça me paraît être une bonne initiative en premier. Puis après, je vais aller couper le grand arbre. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que le mieux reste que je monte tout en haut, en fait. Et qu'une fois tout en haut, eh bien écoutez, je descende en fait l'arbre, quoi. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, à mon avis. On va replacer les graines. Ouais, je pense qu'on va se faire ça. Donc du coup, peut-être ce que je vais faire aussi, c'est que pour le melon, genre maintenant, je vais garder les trucs, à la limite, une fois que j'aurai un stack. Et comment dire, je vais aller vendre après des blocs de melon. Ça pourrait être une idée possible. Donc ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais monter comme ça. On va monter tout en haut de l'arbre. Là, il y a moyen de se faire beaucoup de bois, je pense, hein. Là, c'est un bon truc. Et puis écoutez, je vais tout couper en accéléré, bien évidemment. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai coupé cet énorme arbre. En attendant aussi, j'avais juste trouvé un petit peu plus de melons. Donc on est à 46 seeds et ça c'est très très bien. Et j'ai réfléchi à un truc en fait. Est-ce que vous pensez pas qu'il y avait le challenge? Enfin, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait le challenge? Comment il s'appelait? Iceland level truc là, qui me demandait, voilà, exactement d'avoir une Iceland au niveau 10. Alors,
Peut-être que là, je l'ai pas au niveau 10. On va voir ça tout de suite, attention. Ah, 12. Yes. Yes, 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 les gens. Ok, bah... ça va... Merde, je me suis fail. Oups. Oups. Voilà. Bref. Ok, bah du coup, c'est très très bien, parce que là, ça te donne une pioche en fer, une éponge. Qu'est-ce que je vais faire avec une éponge? C'est pas grave. Et ça nous donne surtout beaucoup de coins, et ça, c'est très très bien, parce que du coup, nous allons aller au... slash spawn, exactement, et nous allons nous acheter un petit peu quelques petits machins fort sympathiques, je l'espère, et nous allons donc nous acheter en tout premier des pousses donc de Oakwood, Oakwood qui se trouve là, exactement. On va en acheter deux histoire qu'on soit tranquille. Et on va essayer de se faire un business là-dessus. Enfin, un business, hein, vous m'avez compris, quoi. Parce que je pense qu'il y a moyen de se faire quelque chose avec ça. Qu'acheter d'autre, je pense rien. Parce que bah, on a à peu près tout. Ici, du coup, ouais, y a les pommes de terre. Les machins. Ouais, voilà. Bah, on va essayer de vendre ça au max. Donc faire une grande, grande ferme sur notre île de bois, comme ça. On va aussi, ouais, ça on l'a déjà replanté, et du coup ici on va planter ça et ça, bah du coup, ouais, voilà, et on va espérer que ça pousse assez vite histoire qu'on puisse tout simplement aménager entre guillemets un petit peu tout ça. Voilà, comme ça on sera tranquille là-dessus. En attendant, moi je vais encore couper un petit peu de pierre, donc je vous retrouve un petit peu après. Et re les gens, voilà, donc j'ai un petit peu déjà pris un peu plus de pierre, et je me suis dit en fait pourquoi pas se faire un fond en fait avec ça. Ça pourrait être sympa, ça pourrait donner quelque chose de bien, du moins je le pense. Donc on va se faire des coffres en plus, et puis on va aller se faire du coup un fond pour la salle de coffre en fait en bloc de bois comme ça, et je pense que ça peut rendre quelque chose d'assez sympa et du coup de beaucoup moins coûteux en ressources. Voilà. On va juste s'aménager un petit sol comme ça pour être tranquille. Par contre, la lumière ici, elle déconne, mais genre niveau 1000. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, moi, je le vois très très bien. Ok, alors comment je vais faire pour finir ça? J'aurais dû me faire des dalles. Bon, c'est pas grave, mais... C'est pas grave, mais c'est un petit peu bête. Ouais, bon, là je vais pas faire d'accélérer ou quoi, je vais juste en prendre un peu plus. Voilà. Hop. Voilà, et on prend juste ça, et c'est presque bon là les gens, voilà. Hop, juste, on va se mettre à 12, ça me paraît bien. Hop là, voilà, on met la moitié là-dessus, et on est bon. On va donc aller en bas, hop. Voilà, super. D'ailleurs, je remarque que ici on a un petit bug de texture. Ouais, ça, je pense qu'on va le régler une fois qu'on aura mis des dalles ici. Donc ça va. Hop, on va aller jusqu'ici. Tac. Donc on va bien tout couvrir. C'est bon. Et on va commencer à remplir tout ça avec ce type de bloc. Voilà, hop. Ok, nickel. Bon, on a presque fini la salle de coffre, si ce n'est qu'il nous faudra des panneaux, quoi, mais ça viendra plus tard. Hop. Mais sinon, je veux dire, on est déjà presque à la fin de cette salle des coffres, hein, puisque on va placer tous les coffres, là. Il ne manque plus que celui-là à placer, enfin, les quatre, là. Et puis après, on sera bon au niveau de ça. Et puis après, bah... Je veux dire, ça se passe tout seul, quoi, j'ai envie de dire. Hop, ici on va refermer ça. Comment on pourrait aménager ça ici?
Ouais, ici il va y avoir des coffres, c'est ça. Je me disais aussi c'était un peu bizarre, mais non, ça va. Cool. Hop. Ici on va aménager un petit truc comme ça. Et puis, bah écoutez, les gens, on est bon, si ce n'est qu'il nous faut un petit truc ici, mais sinon, c'est bon, c'est prêt. Notre salle des coffres est prête. Tous les coffres, on peut les ouvrir, ça c'est bien. Ouais, ok, nickel. Et bah c'est bon, écoutez, notre salle des coffres, elle est prête. Faudra peut-être qu'on se mette un toit à notre maison, si un de ces quatre, ça peut aider. L'arbre là-bas, pour l'instant, je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu la flemme d'aller le couper. On va attendre un petit peu et on va aller le couper plus tard, je veux dire. Parce que, bah, tout simplement, c'est pas notre priorité, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faudra qu'on rajoute, enfin, qu'on agrandisse un peu notre île vers là-bas, histoire de planter plus de bois, et on va pouvoir planter du coup du bois comme ça. Et puis du coup, bah, moi je pense qu'on en a un peu fini pour cet épisode, il était peut-être un peu long ou un peu court, je sais pas, j'ai pas trop vu la durée. Mais bref, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite tout simplement à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très très bientôt, les gens, c'était Léo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo, tout simplement. Et puis, bah, que vous dire d'autre si ce n'est... Ciao. Oh, 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 oh